J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ce soir pour faire passer deux messages. Vous avez au choix ici l'oracle du Béline et ici l'oracle des miroirs. On me dit que deux messages importants sont à faire passer ce soir. Je rappelle pour les personnes qui découvrent la chaîne que les énergies ne sont pas interchangeables. Si vous êtes un homme qui regardez la vidéo et que je parle d'un homme, vous pouvez reconnaître vos propres énergies dans le tirage ou celle de quelqu'un de l'entourage. Si je parle d'une femme, il peut s'agir soit de la personne de cœur ou de quelqu'un de l'entourage également. Donc je vous laisse faire le tri dans les messages que l'on me donne et remettre les choses à leur bonne place. Je mettrai aussi dans la description de la vidéo le temps pour chaque tirage. Je voulais aussi saluer, j'allais dire, la horde de nouveaux abonnés. Saluer aussi les personnes qui font des retours, que ce soit sous les vidéos ou en message privé. Et on va commencer par le Béline. Ça commence bien. Grosse ambiance là. Ici, on me parle d'homme jalousé. On me dit depuis l'enfance. Je ressens qu'il y a eu beaucoup de blocages là dans la vie de ces hommes en question. Et qu'on a eu une blessure, en tout cas, je ressens qu'il y a eu atteinte au chakra racine ici. J'ai vraiment cette notion de quelque chose de tranchant, de coupant. Alors, je ne sais pas si c'est les hommes qui sont directement concernés, mais j'ai cette notion de parole blessante ici, de venin dans la bouche. Alors, je ne sais pas si ça sort des hommes en question ou si c'est les hommes qui ont été victimes de paroles blessantes. On me dit les deux. On me dit il y a quelques heures. Je ressens aussi qu'il y a des attaques la nuit chez vous. D'ailleurs, certains ne doivent pas bien dormir, hein, la nuit. Parce que je ressens qu'il y a besoin de faire un nettoyage énergétique dans votre habitation, là. Ici, je ressens des personnes qui aspirent à s'élever sur le plan matériel. J'ai vraiment cette notion de projet, de construction. Mais on est freiné par des personnes. Je vais vous montrer la carte. Vous voyez là cette bête-là, cette chauve-souris-là. Des personnes assez malsaines. C'est comme si les hommes en question étaient à la merci de ces personnes et je ressens vraiment une femme. On me dit très noir. Quand je dis très noir, c'est dans l'âme. On attire mon attention sur des oreilles. Pourquoi? On me dit que cette personne a des oreilles particulières. Dans certains cas. On me dit que la personne en question est en perte de vitalité en ce moment. Je ressens vraiment quelqu'un en souffrance.
Ici, j'ai des personnes dans leur ras-le-bol et qui aspirent vraiment à retrouver une vie sociale. Et c'est comme si on attendait de retrouver une femme ici. Une femme, peut-être, on me dit qu'on connaît via les réseaux, mais via, j'ai cette notion de soirée. De soirée de partage. Là, pour le moment, les choses sont bloquées depuis un moment et j'ai pas le sentiment que ça va changer dans l'immédiat, ce blocage-là, par rapport au fait de retrouver quelqu'un dans une soirée ou dans un lieu assez festif. J'ai le sentiment que ça s'adresse à des hommes, le message-là. Là, je ressens des hommes un peu perdus. Alors déjà, j'ai vraiment cette notion où on manque de confiance en la vie par rapport à ses retrouvailles. Et c'est comme si on se laissait happer par les opinions, les jugements d'autrui. Et ça vous dessert plus qu'autre chose, hein, parce que j'ai plus le sentiment que ça vous fait perdre pied. Et on me dit patience aussi qu'autre chose. Ici, là, j'ai vraiment le sentiment qu'il vous faut vraiment déménager, hein, parce qu'on insiste là sur le fait qu'il y ait des présences nuisibles dans votre habitat. Mais j'ai le sentiment qu'il y a des, ouais, il y a des entités, hein, chez vous, là. Alors, je ne sais pas, on attire mon attention sur le numéro 16. Je ne sais pas si c'est le numéro d'appartement ou de... ou le numéro d'habitation. Ici, je ressens qu'on est en purification par rapport à ces énergies, par rapport à des souffrances passées, peut-être même inconscientes. Et j'ai le sentiment que les souffrances en question ont un lien avec le, comment dire, des mémoires transgénérationnelles maternelles. Et c'est comme si vous restiez à découvrir certaines choses avant de pouvoir, j'allais dire, prétendre à une tranquillité. Avant de pouvoir souffler. Pour moi, le changement, là, vraiment, est prévu dans votre existence. C'est comme s'il était l'heure, là, pour vous d'avancer. C'est comme s'il était là pour vous d'avancer, mais ça nécessite de se débarrasser de certaines choses là. Ici, les blocages là, que vous pouvez rencontrer dans une certaine idylle là, qu'on a en tête constamment, je ressens ici qu'on pense beaucoup à une femme. Et pour moi, les retards, là, le blocage est vraiment karmique, si vous voulez. Les contraintes là, dans lesquelles vous vous retrouvez actuellement, c'est vraiment ce qui a empêché cette relation de fonctionner, déjà dans des vies antérieures. Et on me montre un minima deux vies. Vous étiez pollué, happé par des choses de l'entourage.
et par des énergies toxiques aussi. En plus, on vous empêche de retrouver cette personne avec de la magie. Et on me dit que ces personnes-là, les personnes qui sont concernées par le message, le savent très bien. Il y a cette notion d'incompréhension, de réflexion par rapport à la personne, mais en même temps... Moi, je ressens qu'il y a une femme et un homme derrière ça. On parle de partenaire. Quand j'entends partenaire, c'est des personnes qui s'associent, si vous voulez, pour faire de la magie. Ça peut être à l'initiative d'une femme et fait par un homme. Alors, on me dit que ce qui pourrait bloquer le fait là que vous, comment dire, que vous n'ayez pas fait le nécessaire, ce serait sur le plan financier. Mais en même temps, sur le plan financier, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui siphonne là l'argent là. Et j'ai le sentiment que c'est la même personne là que je vous ai montré en début de tirage, la femme là de l'entourage. On dit pour des besoins personnels, que l'argent est utilisé pas par les hommes en question, mais par la femme, là. Alors, je ne sais pas si la femme a accès à des comptes, parce qu'on me montre comme un livre de comptes, vous voyez, un livre. Alors ici, je ressens des hommes là dans la crainte de quelque chose, dans la crainte d'un événement dramatique. On vous dit que ça n'arrivera pas forcément si vous mettez, si vous faites le nécessaire, si vous mettez les choses en place. J'ai cette notion où vous voyez le ciel là commence à s'assombrir. Vous voyez, les nuages deviennent denses et j'ai cette notion d'explosion. Mais pour moi, c'est quelque chose de latent. Ici, j'ai une peur de la famille, là. Alors, je ne sais pas si c'est parce que les personnes, là, les hommes sont... On me montre le chiffre 2. Peut-être que vous n'avez qu'une personne, vous et cette personne. Mais là, j'ai des hommes bloqués dans leur matérialité, dans leur ascension. Et sur le plan affectif aussi. Et sur le plan financier. Parce qu'on vous vole de l'argent. On me dit pour des besoins matériels. Et c'est comme si c'était à destination d'une femme. D'une femme de l'entourage familial. Alors peut-être que cette personne actuellement n'est pas en bon état, en bonne santé, parce qu'on me montre comme quelqu'un, vous voyez, qui aurait des faiblesses dans les bras. Mais on me dit que c'est temporaire. Et on ne me donne pas plus d'infos, on me dit qu'on a fini pour ce premier message.
Ici, il faut faire des exercices de respiration parce que je ressens un ras-le-bol, de l'impatience. Ici, je ressens des femmes là prêtes à la famille, à l'enfantement. C'est comme s'il était l'heure pour vous là d'avancer, d'évoluer. Et certaines ont fait des requêtes dans ce sens et vont être exaucées prochainement. Au plus tard sur le printemps prochain. Pas celui-ci, mais l'année prochaine. Alors, ça peut paraître long pour certaines. Mais je ressens qu'on a encore besoin d'ancrage, de stabilité. Et certaines personnes doivent profiter de cette période, de ce temps pour achever un deuil d'un passé. On me dit que certaines femmes là doivent travailler sur leur féminin sacré, sur la libération, l'ouverture de ce féminin sacré. C'est comme si cette zone avait besoin de guérison. On vous dit aussi d'aller faire un bilan de santé auprès d'un médecin. Et de vous aider des plantes aussi pour accélérer la guérison. Ici, je ressens des personnes en attente là d'un changement par rapport aux financiers. Je ressens la période de l'été comme un, comment dire, j'ai cette notion d'émergence et puis d'apogée, vraiment quelque chose de bien sur l'automne. Ici, sur le plan de la magistrature, là, j'ai des personnes qui attendent un verdict, mais j'ai du retard. Du retard dans la... Dans l'acte, j'allais dire l'acte final, la décision. Et j'ai vraiment ce milieu d'été. Peut-être même le mois de septembre, au plus tard. Ici, sur le mois de septembre, je ressens vraiment un nouveau départ. Départ affectif aussi. Pour quelque chose de beaucoup plus lumineux et beaucoup plus, comment dire, j'ai vraiment cette notion de durée. De longues relations qui va apporter aussi de la chance et de l'abondance. Et une relation protégée par le divin.
Ici, j'ai des personnes qui doivent quand même travailler la peur de l'engagement, on me dit, l'assurance aussi, la confiance en soi. Alors, ici, on me parle de personnes étourdies, mais c'est parce que vous êtes en... Alors, on me dit en rémission par rapport à votre chakra racine, mais aussi par rapport au spirituel ici. Il y a des choses là qui sont en train de se mettre en place et de se débloquer, et ça génère. J'ai cette notion de, enfin, de tourne, vous voyez, de. On n'arrive pas trop à gérer, on se sent un peu oppressé par des énergies qu'on ne comprend pas et on me dit qu'on ne contrôle pas. Donc on vous dit de vous poser quand ça arrive, de vous poser un moment, de faire un break et de vous poser. Ici, j'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui ont eu des nouvelles par le biais des réseaux et ça a généré alors soit de la colère ou une dispute ou alors ça a été un prétexte pour soulever. J'ai cette notion où par exemple quelqu'un aurait une info sur quelqu'un et ça a été un prétexte pour salir la personne. Et j'ai le sentiment que la personne qui a essayé de salir l'autre personne a des enfants. Ici, je sens que des personnes peuvent vraiment empêcher un nouveau départ hein, sur le... par rapport à des retrouvailles. Et je sens que pour les personnes là. Les personnes, si vous voulez, qui sont à l'origine là, de cet empêchement-là, je ressens des femmes. Hein. On dit des mères de famille. Et c'est comme si la personne en question œuvrait pour séparer. Séparer le couple là, qui doit se retrouver. Il doit se retrouver et mettre en place quelque chose sur le plan de la famille, hein, des enfants. On me parle de jalousie excessive. Je demandais pourquoi on me dit jalousie excessive. Je ressens quelqu'un qui a peur de perdre la partie, la main. Chez certaines femmes, là, vraiment, j'ai l'impression qu'on a des entités. Le travail en question a été... Moi, j'ai cette notion où cette personne a été voir quelqu'un, un homme, pour faire un travail. Alors, je ne sais pas si c'est dans la continuité du premier tirage, parce que j'évoquais un partenariat avec une femme et un homme. Et là, j'ai cette notion où je vois quelqu'un venir à un homme pour faire un travail, quelqu'un qui travaille justement dans les énergies, dans la magie, pour séparer les personnes en question. On me dit trois fois, ça a été déjà fait plusieurs fois, cette chose-là. Et là, c'est comme s'il y avait besoin de prendre de la distance là, par rapport à ça. Et je ressens que ce sont des hommes qui doivent prendre de la distance. On parle d'une mégère, hein, vraiment par rapport à la femme en question, là, que je vous... La personne qui essaie de séparer un couple là, qui doit se remettre ensemble.
Alors, je ne sais pas si on peut me donner une ou plusieurs cartes pour la conclusion de cette histoire. Je vais vous la laisser là, comme ça vous allez bien la voir. Alors je demandais si c'était toujours les messages à destination des mêmes personnes, on me dit un peu. J'ose espérer que ça rentre, enfin j'allais dire ça rentre, que ça tombe au bon endroit, j'ai envie de dire. Là, j'ai des personnes qui sont renfermées sur elles-mêmes. Mais c'est comme si on vous apportait un cadeau et que vous ne le voyez pas parce que vous êtes dans votre douleur. Recroquevillé sur vous-même et dans votre douleur. On dit qu'on tire une dernière carte. On me dit de vous la rapprocher. Je sens qu'ici, qu'un retour est possible, mais il y a besoin de mettre, comment dire. Je ressens que là, des hommes doivent mettre plus d'entrain dans ces, comment dire, dans cette possibilité de retrouvailles ou faire le premier pas. Et là, je ressens que si on reprend et on parle de la fin de l'été, que ce sera vraiment pour quelque chose de concret. Parce que j'ai cette notion de consommation qui ressort, consommation et d'aspect charnel aussi, et de communication. Mais c'est comme si, pour arriver à ces retrouvailles, il vous fallait enlever le serpent qui bloque ces retrouvailles. Et en l'occurrence, pour moi, c'est la femme. La personne jalouse, là. Vous voyez, cette personne-là? Alors ici, j'ai des femmes, là, qui doivent faire un nettoyage énergétique. On me dit que pour d'autres, ça a été fait avec succès. Là, j'ai vraiment le sentiment que l'homme, là, doit avoir des prises de conscience par rapport à son état d'esprit, son état d'être, que les problèmes, les blocages qu'il peut rencontrer sont dus à son entourage. Entourage familial. Je ne parle pas de femme, je ne parle pas de... Voilà. Ici, je ressens une grand-mère très présente. Alors, je ne sais pas si la grand-mère en question avait une canne. Quelqu'un qui était, j'allais dire, qui vivait dans le soleil, enfin, qui vivait au soleil. Alors, on s'arrête ici pour le message. On a terminé. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager les tirages, à activer aussi la petite cloche si vous souhaitez être notifié des prochains messages ou tirages à thème. Pour les personnes qui veulent me contacter pour une guidance privée, vous avez dans la présentation de ma chaîne toutes les informations sur le mode d'emploi pour réserver votre guidance qui se fait par téléphone ou WhatsApp si vous êtes à l'étranger. On se dit à bientôt et puis prenez soin de vous.